avec maintenant. Mais c'est pas celui avec les carottes, c'est des pâtes. Oui, mais c'est pas. C'est avec le chômage. C'est quoi, chômeur? Tu es cerné de ton autre pas de gestes désespérés. Tu ne pourras pas nous échapper. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ben oui. Ah ben oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, justement. Tu n'as rien fait. Tu ne fais rien. Et depuis 5 ans, c'est ça qu'on te reproche. Ceci est un contrôle dont l'on aime. Oui, je sais, oui, on aime, je sais bien. On vous aime pas, mais moi je fais mon boulot. Donc. C'est bien connu, on aime ou on n'aime pas, hein. Alors, ne te fous pas de ma gueule, hein. Tu vas sortir ta carte de pointard. Attention, délicatement. Pas de geste brusque. Entre le pouce et l'index. Voilà, oui, comme ça, oui, voilà. Devant toi. Voilà. Et là, Kerkhoven. Décliner notre identité. Bernard Van Kerkhoven. Attendez. Bernard Van Kerkhoven, décliner notre identité, l'autre Bernard Van Kerkhoven décliner notre identité. Non, attendez. Quoi? Mais je dois remplir le formulaire. Bernard Van Kerkhoven. Attendez, parce que pour que ce soit plus clair, oui, vous allez m'épeler. Quand vous appelez Bernard Van Kerkhoven, on en a jusqu'à là tout ça. Hein. Alors, B. Attendez, parce que c'est déjà pas facile d'écrire avec des gants. Ben voilà. Trouver un bic dans un gilet pare-balles. Ah voilà. Donc Bernard Van Kerkhoven avec B. Avec un. D. Ouais, non, pas D. B. Non, Bernard, c'est pas un D. Ah oui. Bernard, avec un B, comme dans Bertrand. Ah oui. Donc Bernard avec un B, comme dans Bertrand. Voilà. E. Ensuite, E, comme les mines. Oui. Dans le cas présent, je pensais plutôt à enculer, moi. Soyez correct, hein. Soyez correct. R. Ensuite. R, comme dans Joël Milquet. Tu te fais de ma gueule ou quoi? Il n'y a pas de R dans Joël Milquet. Pourtant, il n'en manque pas. Ah. N. M, comme dans maman. Ah non, N, comme dans maman. Voilà, il y a un A comme acharnement, R comme dans Hélio, parce qu'il n'en manque pas non plus, et D comme dans démagogie. Voilà, et pour Van Kerkhoven, vous irez voir sur ma sonnette, c'est écrit dessus. Hein, donc, Mais attendez, pas si vite, hein, pas si vite. Donc, pas si vite, j'ai des gens. Alors Bernard Van Kerkhoven, oui. Sais-tu pourquoi nous avons encerclé ton domicile? Ah non, ici on n'a pas l'habitude, on n'habite pas à Verviers, hein, donc on ne sait pas ça. Non. Nous sommes venus contrôler si tu es bien un chômeur isolé. Tu dépends de ce que vous entendez par isolé, parce que j'habite quand même à Charleroi, alors... chômeur isolé, on est quand même quelques-uns dans le quartier, vous voyez. Oui, d'accord, mais je veux dire, est-ce que tu vis seul, quoi? Ah non, j'ai 3 femmes, 12 enfants. J'ai un petit chômage, chômeur isolé, comment voulez-vous que j'ai une famille, moi? À chaque fois que je rencontre une fille, qu'elle me dit « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je suis chômeur isolé. Mais, ça n'encourage pas les gens à s'installer avec moi, hein. Bon, c'est pas que je n'aime pas les femmes, mais en plus, si elles s'installent avec moi, on m'en retire. Alors, il faut quand même un minimum pour vivre, hein. Ouais, c'est ça. Fais le malin, hein. T'as pas honte? Quoi, c'est pas, oui. C'est parce que tu coûtes au contribuable? Ah, regarde déjà rien que pour une intervention, comme ça, un contrôle. 5 temps plein, plus le mien, ça fait 7. Mais nous, au moins, contrairement aux politiques, on donne du travail, on crée de l'emploi. C'est ça. Ben justement, passons aux choses sérieuses. Est-ce que tu acceptes de nous laisser rentrer? Parce que j'ai le choix, là. Oui, c'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que normalement j'ai besoin d'une autorisation écrite. Ou alors, je dois envoyer
vous envoyer une lettre recommandée 15 jours à l'avance pour vous prévenir de mon visite inopinée. Donc, autrement dit, là, si je n'ai pas envie que vous me contrôliez, je te refusais. En quelque sorte. Vous permettez que je réfléchisse. Chez ma voisine, qu'il faut croire que je travaille au noir.